Bonjour à tous et à toutes, c'était Or, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment synchroniser toutes vos musiques Apple Music sur tous vos appareils. Donc on imagine si vous avez un Mac, un iPhone et un iPad, eh bien je vais vous expliquer comment avoir votre musique Apple Music pareil sur tous vos appareils Apple ou même hors Apple, hein. Vraiment, voilà, on imagine du coup, si vous téléchargez l'album de Beyoncé sur votre iPhone, eh bien cet album sera aussi téléchargé sur votre iPad ainsi que sur votre Mac. Et comme ça synchronise vraiment sur tous vos appareils, votre musique, vos playlists, vos morceaux, vos artistes, etc., etc. Ça peut être hyper pratique, donc suivez bien la vidéo jusqu'au bout. Alors pour ça, c'est très simple, on va se rendre dans les réglages de notre appareil, voilà, donc de notre iPhone. Dès que vous êtes rentré dedans, on va descendre tout simplement pour aller sur l'Apple Music, donc musique, juste ici en bas, on clique dessus. Ensuite, tout simplement, on va voir qu'on peut synchroniser la bibliothèque juste en dessous d'ajouter des morceaux. Et il faudra tout simplement cocher, comme moi je l'ai fait, en petit truc vert. Comme ça met un logo vert juste ici. Et on peut voir que synchroniser la bibliothèque, voilà ce que ça fait. Nos achats, le contenu ajouté depuis Apple Music ou importé depuis iTunes, ainsi que les modifications apportées à notre bibliothèque sera synchronisé sur tous nos appareils. Donc si vous ajoutez un album, il sera ajouté sur tous vos appareils. Si vous supprimez un album, un morceau, un artiste, etc., eh ben, ça sera la même chose sur tous vos appareils. Et c'est hyper pratique, comme ça, vous avez vraiment la même chose sur tous vos appareils et vous n'avez pas besoin de le refaire trois fois ou avoir vraiment des choses pas pareilles. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur synchroniser la bibliothèque et à cocher la petite case pour tout simplement synchroniser vos morceaux, vos artistes, vos bibliothèques et vos playlists sur l'ensemble de vos appareils sur Apple Music facilement et rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo à quelqu'un qui souhaite synchroniser sa bibliothèque sur Apple Music facilement et rapidement. C'était Théor, à bientôt.